Et salut tout le monde et bienvenue sur Final Fantasy Brave Exvius pour la découverte de la deuxième semaine du Festival de l'Amour. Et c'est Kangshu et Bakuya. Donc obtenez d'incroyables récompenses. Patati patata, donc ça doit être... Ouais, ses épées, c'est bien ça. Terrasser Kangshu avec Vengeance de Bakuya. Terrasser Bakuya avec Irée de Kangshu. Chou. Épée de Bakuya, épée... Ok, d'accord. Et ne pas utiliser cet objet. Ok. Voilà, on va faire suivant. On va tenter... Est-ce que je prends... Ouais, c'est le mieux, je pense. Bon. Autant prendre deux... Deux to be. Ça ira plus vite, je pense. Ah, quoique. Si. Si, si. Si, si. Ça ira beaucoup plus vite. Je sais pas comment les terrasser avec donc ça. On va découvrir de toute manière. Ça doit être en un fight, je suppose. Alors, lequel résiste aux dégâts physiques et lequel résiste aux dégâts magiques? Ça, c'est la bonne question. On va booster l'attaque. On va augmenter les résistances élémentaires. On va faire ça plutôt. Laser triple, comme ça on saura. Alors, voyons voir. C'est qui prend cher? Ok, celui du bas. Par contre, il prend pas beaucoup. Ça risque d'être long. Ok, change pote, change pote. Extermination. Ténébreux, ok, non. Je pensais... On va essayer de réduire l'attaque et la magie. Si possible. Ok, ça c'est plutôt cool. Et on se charge. Le premier on va l'exploser, le second par contre ça va être chaud. Ok. Donc on va s'attaquer à Kangshu dans un premier temps. De toute manière, il n'y a presque plus rien. Garder les attaques physiques. Augmenter la résistance élémentaire. Ça devrait le faire. Augmenter la magie à la psy. Techniquement, je peux continuer. Laser trip. Lame chargée. C'est décharge. Décharge chargée. Ok. Ça devrait être combien je lui fais plutôt. On résiste à la magie. What the fuck? Ça risque d'être assez long. Je n'ai rien fait. Putain de merde. Je m'y attendais pas du tout à celle-là. Alors. Esquive. Esquive. On va protéger. Ah mais on peut réduire. Est-ce qu'on peut réduire? Ouais on peut. Ok. Ok, on peut réduire l'attaque magique, l'attaque physique et la défense à la psy. Donc ça c'est plutôt cool. On va quand même regarder l'acuité. Un petit gigason. Nous voyons voir. J'aurais dû prendre aussi du dragon.
Ouais. Quoi, mais... Ils ont pété un câble. 28... Enfin, ouais. 28 millions de points de vie. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Ok. Donc je réduis l'attaque et la défense. Enfin non, la défense et la psy. Ça fait 3 tours, faut que je réduise l'attaque et la magie. Donc là, on va donner des PM. On va s'attaquer à 1 dans un premier temps, même si c'est violent quoi. Bon. On te réveille une fois sur Bash. Parce que je sens qu'il en aura besoin. Ah, Irée de Kanchu. Inflige de gros dégâts magiques et réduit la psy d'un ennemi. Ok. Ok, et il faut que je fasse sur lui. Ah, c'est peut-être comme ça alors. C'est qui a l'autre? Ok, on sait pas. Miroir magique sur Bush. En fait, il faut que je trouve la personne qui a ça. Ok, ok, j'ai compris. Parce que non, c'est pas possible. Vu les dégâts, c'est vraiment pas possible. J'espère qu'il nous donne plusieurs fois. C'est tout ce que je souhaite. La vengeance de Bakuya. Oh, elle était là. Vu que j'ai toujours l'attaque sonique. Autant à faire. Ok. C'est bon. Irée dans. Lame triple. Un petit giga soin. Oh merde, le giga soin de mes deux. Ah bah oui, je dis oui. Bon, ok, il y en a un qui est terminé. Deuxième, ça risque d'être compliqué. Ah. Ok. Ok, je pensais que ça serait plus difficile que ça. J'avoue, je m'étais trompé. Alors, est-ce que j'ai rechopé la vengeance inflige de gros dégâts physiques et réduit la défense d'un ennemi. Vengeance de Bakuya. Oui, bah techniquement c'est Marie, hein, qui avait. Ah, mais vu que l'autre est mort, c'est ça? Si c'est ça, ça. Comment dire? Ça va être chiant, non? On a des dégâts physiques. Laser triple. Augmenter la défense. Et. On renvoie la magie.
Ok, bon, il y en a un au moins, c'est fait. Deuxième. Il risque d'être compliqué. Je me demande à combien ça réduisait la défense. Quasiment de 100%, je pense. Ok. Alors, voyons voir ce qu'il y a là. L'attaque, la magie, ok. Tac, tac, tac. Ah, il a plu. Il a changé de perso. Mais non. Oh. Pas un des deux, si vous pouvez, faites pas ça. Oh, j'en suis pas couillé. C'est. Ah, c'est casse-couille. Bon. Au moins, on sait que c'est ça. Enfin. Ça servait à rien d'attaquer physique. Alterance. Augmenter la magie à la psy. Donc la défense à psy. J'aurais dû prendre un autre perso qui attaque magie. Ça c'est ma faute. Parce que là ça va durer longtemps, on est d'accord. Ouais, il veut pas frapper. Ouais. C'était quoi les objectifs? Terrasser. C'est compliqué parce que là, vu que j'en ai tué un, le deuxième, je peux pas réduire son attaque physique. Donc je suis dans la merde. Enfin, magique. Et donc, ça va prendre 4 plombes, si je comprends bien. C'est le truc de attaque, vengeance, vengeresse, ou tout ce que vous voulez. On sait pas à qui c'est donné. Ah, je recommence ou quoi? Non, on continue. Que non, c'est trop long, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Ne pas faire le coup. En termes d'attaque, j'ai connu pire, surtout dans les trials. Il est à 23% quand même. Réduit la psy. Réduit la défense. Après, le mieux, ça serait de le faire. Enfin, pas comme ça, mais. Non, attaque manque d'eau, c'est un peu fort, non? Ah. J'ai pas envie d'attaquer avec Toby. Voilà, sa plus faible attaque. 16, 14, 13. Ah! C'était juste. Un pour cent et 4%. Bakuya, peut-être que je le tuerai pas. C'est chiant. Mais bon,
Ce qui est fait, est fait. Kang Chu, c'est obligé, hein. Vu son... sa vie, plutôt. Et du la défense. Ok. Et... il est où? Hop, si. Alors, on va y revoir. Ne pas faire le con. Et je peux le faire. J'aurais dû réduire quand même c'est l'attaque magique à la psy. Oh, ils ont fait mal. Alors, bâche. Bakuya et... bon, je suis allé sur lui, mais c'était pas obligé. What the fuck. Ok, joli. Donc, tac et tac. Bon, faudrait que je le refasse une deuxième fois. Putain, ça a duré longtemps. Et pour ça en plus. À un tour près en fait. Là, je suis allé trop vite, comme d'hab. Ah, so bad. So bad. Bon, j'ai une arme sur les deux. Faudrait que je le refasse. Ok, le mode de confiance. Bon, en gros, si vous voulez le faire tranquillement, il faut réduire l'attaque et la magie. Après, enfin, quoique, j'ai combien de défense et de psy sur les persos? À peu près. À 200, 230, 260, c'est faisable, mais c'est juste, je trouve. Mais bon, vous réduisez l'attaque à la magie, c'est très bien. Bon, bah, on voit une épée. Faudra que je ferme pour l'autre. Épée de Kung Shu. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchuss!